Coucou, bah la demande de Cécile. Hier, je ne vous ai pas dit, je suis allée, voilà, chez Lush. J'ai eu du mal à le trouver, hein, d'ailleurs, hein, parce que c'est tout petit. Faites pas attention à mon bazar, j'essaye de le planquer. Faut que je m'y mette, mais je suis crevée. Alors, hier, j'ai repris ce que j'avais déjà connu une fois chez Lush. C'est le savon. Oh, punaise, rien que de le sentir. Au miel, voilà la particularité. On voit les alvéoles. Elle m'a dit d'ailleurs de les séparer, que c'était plus hydratant, de m'hydrater pour le visage les alvéoles et de garder ça pour le corps. Voilà, on voit. Et c'est au poids. Je l'ai payé 9,61 €. Voilà, j'ai regardé aussi les masques frais dont tu parles, Cécile, mais je ne peux pas trop en parler parce que c'est pour offrir à quelqu'un. T'es fatigante. J'ai regardé, c'est vrai qu'il n'y avait pas tout. Bon, moi, ce que j'ai déjà, c'est l'ultra simple de Lush. C'est un nettoyant révélateur. C'est un nettoyant ultra spécial, nettoie délicatement tout sur son chemin en laissant votre peau ultra douce et ultra souple. Bon, il fait un peu gras, moi, je trouve, sur la peau. Je finis avec une lotion. Mettre un peu dans le creux de la main, frotter l'une contre l'autre, puis les passer sur le visage, enlever à l'aide d'un coton humidifié. Oui, c'est ce que je vous... Tester sur les Anglais. C'est ça qui est bien avec Lush, c'est que c'est testé sur les Anglais. Vous voyez? Après, derrière, il y a le petit bonhomme avec le nom du mec qui me l'a fait. Bon, je l'avais déjà, ça. Hein. Donc, il y a un cratère. Je l'utilise. On ne le voit pas trop parce qu'il y a un soleil dingue maintenant. Voilà, c'est quand vous êtes pressé ou partez en voyage, c'est super pratique. Avec ça, j'ai pris la crème céleste. Je crois que c'est à l'amande. À la vanille. Crème divine à la vanille pour les peaux sensibles. Enfin, un soin pour peau irritable qui sent merveilleusement bon. Un soin pour peau irritable qui sent merveilleusement le lait d'amande. Je me répète. Lait d'amande douce à l'extrait d'orchidée fraîche, adoucissant et calmant, testé sur les Anglais. Made in England, celui-là. Je l'avais commandé sur Internet. Elles sont super bonnes. C'est la crème. Elle est très douce. Hein. Voilà. Et je vais vous le montrer. Le masque que j'ai pris, je l'ai sorti du frigo. Si je le retrouve, il est par terre. Voilà, j'ai pris, mais c'est pour offrir, c'est pas pour moi. J'ai pris le miel effronté, qui se tient effectivement au frais. Et c'est un masque frais pour le visage, à conserver au réfrigérateur, max exfoliant, stimulant et nourrissant pour les peaux fatiguées, des fruits frais mélangés aux herbes et épices ayurvédiques, des amandes moulues pour gommer et du miel hydratant. Votre peau est belle et éclatante. Rapportez 5 peaux Lush propres portant ce symbole et nous vous offrirons un masque frais. Voilà, bon, pour le moment, j'ai pas les 5. Et là, il y a une particularité, c'est marqué ne pas tester, n'est pas testé sur les animaux. Il y a les petits lapins. C'est super sympa. Ça sent le citron. C'était dans une coupole. Je vais vous montrer comme ça. Voilà, ça se présente comme ça, mais ça, c'est pas pour moi, c'est pour offrir. Il va retourner au frigo. Voilà, et puis j'en ai un autre de savon qui était en série limitée. Elle me l'a confirmé, c'est Snowcake. Ils avaient sorti ça pour Noël. Ça se présente avec des cratères comme la lune. Vous voyez, c'est pailleté. Et pour peau sensible, hein. Je ne sais plus la composition, c'est coco, absolu rose, le sodium. Je regarde. Parfum d'amande, huile de colza, huile de coco, c'est à l'amande, c'est ça. Ils sont super bons. Là, j'en ai pris 500 grammes. Là, j'avais pas lésiné. Voilà, pour mes produits Lush. Je vais tout remettre dans le sac. Surtout celui-là et celui-là, j'avais craqué. C'était mon premier achat. Au miel. Je me chou. Voilà, comme quoi, tu vois, je suis bien allée voir. C'était pas peine d'insister autant.
Et je vais remettre le petit masque au frais. Bye bye.